nous accueillons maintenant pour cette dernière présentation Julia Malaguarnera, c'est parfait, qui est Outreach and Engagement Officer for Open Air. Et donc, elle va nous présenter les articulations avec Episcience qui ont déjà été évoquées hier par Raphaël. Elle va nous en dire un petit peu plus. Et c'est quelque chose de très important. Et je crois qu'il y a eu des gens intéressés par le lien avec le graphe. Pourquoi je ne parle très bien en français, donc mon présentation c'est en anglais. Ok. Donc merci beaucoup de m'avoir invité, en particulier merci à Raphaël. Je vais vous parler de l'implication d'Episcience dans ce service Open Air. Je vais essayer de clarifier certaines choses. Qu'est-ce que c'est IOSC, le cloud européen? Donc, Open Air a démarré en tant que projet pour soutenir le programme cadre organisé par la Commission européenne. Cela a démarré en tant que projet, donc. Et déjà, on avait un réseau de personnes humaines qui travaillaient au sein de plusieurs infrastructures européennes, surtout dans les bibliothèques universitaires, mais aussi dans des agences. Nous avons démarré plus tôt, mais en 2018, nous sommes devenus une entité juridique. Donc Open Air est aujourd'hui une organisation. La Commission européenne était un des pionniers dans la science ouverte et au début de l'accès ouvert. Donc, elle a commencé à promouvoir les répertoires institutionnels, les prépublications, puis les journaux à accès, les revues à accès ouvert, les répertoires de données. Et puis, lorsque le Node a démarré, qui n'entraînait pas Open Air, et aujourd'hui, nous sommes en 2023, mais le projet Horizon européen a démarré il y a 2 ans. C'est le premier programme qui disait que les données devaient être ouvertes. Bien sûr, la Commission européenne ne pouvait pas adopter une décision obligatoire concernant l'adoption de cette science ouverte et ces données ouvertes. Donc, la Commission a donné plutôt des infrastructures et c'est pour cela que nous avons commencé avec Open Research Europe et l'investissement dans le cloud européen Open Investment. Open Air est une organisation à but non lucratif. Ce n'est plus un projet. Nous avons plusieurs projets en collaboration avec la Commission européenne. Donc avant, Pierre parlait de notre implication dans GraphTA. C'est un réseau d'experts en sciences ouvertes. Et en fait, dans chaque pays en Europe, nous avons un desk open access qui soutient les chercheurs et le personnel des chercheurs et qui aide à créer la politique pour la science ouverte et qui donne aussi un soutien en termes de formation. Notre siège se trouve en Grèce. Nous avons un bureau virtuel avec 14 membres du personnel. Open Air est une infrastructure qui fournit des prestations. Nous avons 50 membres dans 34 pays. Donc, Open Science, c'est une nouvelle façon de faire de la science. Aujourd'hui, tout est numérique, tout est grand et tout doit être connecté. Alors, ce que je suis en train de présenter, c'est le cycle de vie de la recherche. Tout est interconnecté, tout est ouvert. Et il y a un effet positif à chaque étape. On commence avec la planification de la recherche, après on passe à la découverte, à la collecte,
Ensuite, il y a le traitement, l'analyse des données de recherche. Après, il y a l'édition des articles, mais l'édition d'autres résultats également, code logiciel, ensemble de données. Après, nous soutenons l'archivage et l'évaluation. Donc maintenant, je vais rentrer dans les détails de Open Air Service. Je vais vous expliquer comment nous soutenons nos membres pendant l'année. Donc, il y a plusieurs services pour des communications universitaires, par exemple. Alors, nous concevons, nous mettons en œuvre, nous faisons fonctionner et nous maintenons des services open air pour vous. Et maintenant, je vais me concentrer sur ce que nous proposons aux chercheurs et aux instituts de recherche. Donc, l'épine dorsale des services de open air, c'est ce graphe open air. C'est un agrégateur de données et d'entités. Cela veut dire que ce que nous agrégeons sont plusieurs ressources collectées et harmonisées. Nous collectons, nous harmonisons et nous harmonisons pour pouvoir traiter les relations entre les métadonnées et d'autres relations, des citations ou la relation avec d'autres types d'entités comme des financiers, par exemple. Nous dupliquons les données, nous enrichissons les métadonnées, nous faisons un post-nettoyage et nous proposons ces services de traitement. Donc pour la découverte, l'étape découverte, et pour IOSC en particulier, donc le cloud scientifique européen. Nous avons également notre service Explore et Connect. Nous avons des services de suivi. C'est pour les financiers, c'est pour les ministères, pour qu'ils puissent prendre des décisions concernant la science ouverte. Donc, le Open Air Graph contient 145 millions de publications, 18 millions de données de recherche, 300 000 logiciels de recherche, en gros. Donc, je lis ce qui est marqué. Et ce que nous faisons, nous mettons tout ensemble, nous créons des liens en termes de sémantique et de création. Donc, on contextualise la recherche de l'étape financement et à l'étape de la publication. Open Air fait partie des infrastructures clés du cloud de sciences ouvertes européen. Grâce aux sources de données que nous soutenons, nous avons un service Open Air Provide. Nous enregistrons plusieurs répertoires et nous validons les métadonnées et les autres données. Nous collectons des sources de données, de revues et d'autres types de publications, donc les ensembles de données qui sont présents dans les logiciels ou dans d'autres résultats de recherche, et nous proposons d'autres services, découverte, suivi, évaluation. Donc, je vais commencer à expliquer ce magnifique graphique qui nous explique les services en pratique. Lorsque vous êtes en train de planifier de la recherche, donc les financiers veulent un plan de recherche de données. Donc, nous proposons Argos. C'est un service et on collecte des maquettes de différents financiers pour que les chercheurs n'ont qu'à remplir les formulaires donc grâce à des maquettes. Et il y a un soutien
de la gestion de données et de logiciels. Donc Argos, c'est notre service que nous avons conçu pour avoir quelque chose d'interopérable en termes de plan de gestion de données. Donc c'est le travail dont on a parlé tout à l'heure. Comment avoir quelque chose d'interopérable? Et avec ce service, vous n'avez rien à réfléchir, c'est déjà intégré, cela fait partie automatique du service. Donc les ensembles de données vont être créés de manière équitable. On va vous poser des questions et lorsque vous pensez que vous avez déjà quelque chose qui est actionnable, un plan actionnable que vous pouvez publier, vous pouvez publier en cliquant ou en passant par les Open Archive. Vous pouvez également travailler au niveau du cloud sur le plan de gestion de données. Alors, l'étape découverte et collecte. Je vais parler du service de collecte plutôt que d'explore. Explore vous montre toutes les informations présentes dans le graphique de recherche. Le graphe, c'est un concept informatique plutôt qu'un concept de recherche. C'est quelque chose qu'on va consulter. Donc, dans Explore, on voit tous les liens liés à la recherche. Connect, cela fait partie du graphe. C'est un portail. Vous pouvez demander accès à OpenAI. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir Google Scholar, ou pour des sémantiques spécifiques et vous ne savez pas comment collecter les données, ce que nous vous donnons, voilà, vous allez nous donner des filtres, donc des mots-clés liés au répertoire que vous souhaitez avoir, liés aux revues importantes pour votre communauté de recherche, et nous proposons ce portail que vous pouvez connecté à votre site web. Alors, gestion. Les données ouvertes, ça veut dire publier des données qu'il faudrait anonymiser parce que vous ne voulez pas partager des données privées. Donc, nous proposons un service, c'est Amnésie. Vous pouvez le télécharger, vous décidez quelles sont les informations sensibles et automatiquement le logiciel va vous aider à traiter ces informations de manière anonyme. J'accélère un petit peu. Donc les revues Diamant en accès ouvert, donc là c'est EpiScience, donc je vais sauter cette diapo parce que à mon avis vous connaissez déjà plus que moi sur le sujet. Zenodo, c'est un de nos services clés, c'est un des services les plus connus. C'est un service qui vous permet d'applaudir un résultat de recherche. Vous pouvez également donner des métadonnées qui seront présentes dans plusieurs services. Vous pouvez créer des communautés dans Zenodo. Cela peut être utile pour vous, pour gérer vos collaborations. Provide, c'est un service assez particulier parce qu'en réalité, cela contient plusieurs services. Provide vous aide à sauvegarder ou à enregistrer des répertoires. Tout ce qui est enregistré est en open air et va devenir interopérable au niveau du graph OpenAI et au niveau de Kiosk parce que le répertoire doit suivre les lignes directrices d'OpenAI qui sont scannées par notre service qui s'appelle OpenAI Validator. Les informations qui sont dupliquées ou qui sont trop nombreuses sont traités pendant que ce service tourne. Et bien sûr,
nous émettons un avis lorsqu'il y a un changement de métadonnées. Donc, si, par exemple, dans Zenodo, vous publiez une deuxième version, grâce à ce service, vous allez voir l'historique, donc la première version, la version modifiée et ce qui apparaît en fin, à la fin. Donc, c'est quelque chose qui va être déjà mis à jour. L'évaluation maintenant. C'est encore un autre avantage d'OpenAIR. Dans le contexte de cette nouvelle évaluation de recherche, nous fournissons des outils qui soutiennent le suivi de la science ouverte. Donc, Monitor, c'est un service unique et nous avons différents types de tableaux de bord pour que les institutions puissent suivre leur science ouverte au sein de l'université ou au sein de l'institution. Nous fournissons également un moniteur pour les initiatives de recherche. Donc, s'il y a une grande collaboration et avec plusieurs répertoires qui collaborent, ou s'il y a des alliances de recherche entre facs, ou pour les financiers. Donc, il y a un moniteur pour la Commission européenne, mais il y a d'autres financiers qui utilisent nos services. Et ce tableau de bord peut être restreint, privé ou public. Nous mesurons plusieurs indicateurs, les bourses, les projets, les publications en accès ouvert, les domaines des publications, l'équitabilité des données ou les ressources qui sont produites pendant un projet. Nous fournissons également des collaborations, donc on va faire le lien entre différents acteurs, entre différentes publications, entre différentes institutions citées dans un article ou qui apparaissent dans des ensembles de données ou de projets. Donc, nous mesurons l'impact en termes d'objectifs de développement durable grâce à l'exploration de données. Nous travaillons également très étroitement avec Open Citations. Cela fait partie de OpenAIR Naxos. C'est le dernier projet de OpenAIR pour les services. Nous mesurons également les APC au niveau des institutions, donc nous connaissons les coûts. Combien est dépensé et combien est dépensé par les financiers sur les APC, les frais de publication, basés sur la relation que nous identifions. Et en ce qui concerne la formation, nous avons Open Plato. Cela va être l'infrastructure qui va soutenir la formation. Et voilà, je pense que j'en ai terminé. Et bon anniversaire à Episcience, j'ai failli oublier. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc, j'ai vu que Episcience était présenté comme un service Episcience était présenté comme un service d'OpenAIR. C'est aussi un service du CCSD. Donc, la question, c'est qui est propriétaire du service Episcience et quelle est la relation entre OpenAIR et Episcience et le CCSD? Qu'est-ce que ça implique d'être un service d'OpenAIR pour un service comme Episcience? Alors, ce que nous faisons dans OpenAIR Naxos, c'est on collecte des choses dans un catalogue. Il y a plusieurs infrastructures qui collaborent avec nous. Nous offrons un catalogue commun qu'on peut voir dans IOSC. Donc, la propriété, c'est la propriété du CNSR. Les Open Citations, c'est l'Université de Bologne. Zenodo est soutenu par le CERN. Mais c'est parce que OpenAIR
Open Air correspond à des infrastructures européennes. Open Air veut dire Open Access Infrastructures in Europe. Et nous collaborons ensemble. Donc c'est dans le catalogue de services d'Open Air, c'est marqué. On doit aider avec l'interopérabilité entre services et on doit augmenter la collaboration. J'aurais une petite question par rapport à Open Air Graph. Quand vous l'avez décrit, ça m'a rappelé un service qui commence à émerger, c'est Open Alex. Quelles sont les différences en termes de fonctionnalité, de richesse Between Open Air Graph and Open Alex. Open Alex. They are similar. Ils sont similaires, mais alors les deux sont des agrégateurs. Open Air Graph est une autre initiative. Donc, en fait, il y a deux initiatives. Je ne sais pas trop pour Open Alex. Je ne suis pas vraiment technicienne. Je sais que ça existe, mais je ne peux pas vous donner des informations détaillées. Nous essayons de collaborer sur l'interopérabilité et les différentes collectes d'entités pour fournir un même schéma. Donc, bien sûr, ce n'est pas juste Open Air Graph qui existe. Open Air Graph, c'est un des plus grands, ou peut-être le plus grand, en termes d'agrégateurs, de services de données, avec des liens à des informations. Et la force d'Open Air, c'est ça, c'est ce type de réseau, c'est-à-dire c'est basé sur différents types d'universités, d'infrastructures qui fournissent, qui alimentent des informations, qui nous alimentent d'informations. Open Alex, par exemple, en fait, je ne suis pas sûre s'il y a des citations ouvertes ou s'il y a un travail sur l'amélioration des citations ou des ensembles de données. Nous avons d'autres types de services, j'en ai pas parlé ici, qui travaillent à l'arrière-plan, donc Open Aux, collecte des données provenant d'Aurore. Donc, c'est l'enregistrement d'identifiants de persistance pour les instituts. Et ce que nous faisons au niveau des services, on essaie d'avoir un rapport parent-enfant entre l'université et le service ou département. Donc, ce que nous créons au niveau de Graph, c'est un petit peu plus complexe, on va dire. L'idée, c'est de donner autant qu'on peut, autant d'informations que possible vis-à-vis de tout le contexte de comment faire la recherche. Très bien.